Alors, toujours pour le swap féminin de chez que j'envoie à Josiane Dor, qui est sur le thème féminin et avec le papier graphique 45. Donc, j'ai fait une petite. J'ai mis fait un socle avec à l'intérieur, donc on l'ouvre. Donc là, le socle, il est décoré sur le dessus. Et là, c'est de la fabrique à décorus. Donc, enfin, F Déco en France. J'ai les pans en noir, j'ai mis des encres de chez Stamperia, des encres irisées qui se mettent sur le noir. Et là, j'ai mis des fleurs, il y a un petit banc, une petite table. Donc voilà. Et après, on referme. Il a fallu que j'adapte, hein, que je coupe un petit peu à droite, à gauche, pour que ça rentre bien et que ça tienne. Donc voilà la petite vitrine. Donc après, je lui ai fait un petit cadre que j'ai eu chez Keepers. Donc ça se met comme ça. Je le défais pour la. Et après, ça se positionne comme ceci. Et pour vous le montrer, ce sera plus simple comme ça. Donc je l'ai peint en noir, je l'ai collé, j'ai collé parce que c'est en deux parties. J'ai mis une découpe que j'avais aussi, donc avec toujours le papier graphique 45. J'ai mis du glossy sur la femme et j'ai mis les fleurs. J'ai collé les fleurs en bas, toujours les fleurs qu'on a à la boutique Scrap Merveilleux. J'en ai mis aussi au-dessus et le ruban. Donc voici pour le cadre. Et après, j'ai fait pour mettre mon petit mot, j'ai fait un petit panier. Et puis pour finir un peu mes papiers, un petit panier où dedans j'ai mis ma memory card. Mon petit mot sur un tag avec une petite jupette, enfin une robe, pardon, en breloque. Et là, un petit tag supplémentaire. Donc voilà. Appareil, des découpes que j'ai. Les fleurs, toujours les mêmes. J'ai toujours mis le même papier, les mêmes fleurs, pour vraiment avoir un coordonné dans mon swap. Donc, je vais bientôt l'envoyer à Josiane et j'espère que ça lui plaira. J'attends en retour le sien. À chaque fois, c'est toujours une merveille qu'elle m'envoie. Donc, je vous montrerai ça bientôt. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine.